Oui, notre pays est agressé. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. La France ne doit plus laisser de logis vides, ni de bureaux vides, ni surtout laisser détruire des lieux habitables sans immédiate nécessité. Commander cela est abominable et peut être criminel. Elle en a les moyens, l'argent, la technique, la main-d'œuvre, le sol. Vous, les élus, il est temps d'agir pour que tout le monde ait un logement. Je vous l'ai déjà tant demandé, par parole et par écrit, et en acte. Vous, les élus, il est temps d'agir. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Ce cri s'adresse à chacun d'entre nous, et en premier, à vous, mes compagnons et amis, à vous tous qui écoutez, et surtout à vous, les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. À chacun de nous, à nous tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre. Ensemble, nous avons à détruire la misère.
Les élus, il est temps d'agir.